Dans une ville appelée Jonquière, j'ai longtemps cherché le truc, le machin, la manière de mémoriser la pire des règles de grammaire, les participes passés, passés, passés. Je dois d'abord me demander finitif ou participe passé. Rapper avec ER ou rapper avec E pour m'aider, je remplacer mordre ou bien mordu. RE donc RU et accent aigu. Quand il est tout seul, le participe passé, il va me faire la gueule si je trouve pas son allié. Le nom ou le pronom auquel le rattacher, c'est en genre et en nombre que je devrais l'accorder. Masculin ou féminin, pluriel ou singulier, deux accords à cibler, deux accords à respecter. Dans participe passé, la question à poser c'est qu'est-ce qui est passé ou qui est-ce qui est passé. C'est participe. Qu'est-ce qui est passé ou qui est-ce qui est passé. Masculin, singulier, c'est pas si compliqué. Les participes passés, passés, passés. Quand il est avec Hyde, le participe passé, je me casse pas la tête, j'sais comment l'accorder. Je me pose presque la même question, qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui sont. Qu'est-ce qui a été ou qui est-ce qui est, qui est-ce qui sont. Qui est-ce qui a été? Ces sujets que je vais trouver, ces sujets sont alliés. Masculin, féminin, pluriel, singulier, un autre cadre réglé. C'est pas si compliqué les participes passés. Quand il est avec avoir, le participe passé, il veut pas se faire avoir, il m'avertit de freiner, puis de me demander s'il a un CD. La question à poser, qui ou quoi après le bébé? S'il n'a pas CD, je veux continuer. S'il y a un CD, il faut que ce CD soit avant le participe passé. Avoir avant. Pour mieux me le rappeler, un exemple je vais me donner. La règle que j'ai rappée, rappée qui, rappée quoi? Que mis pour la règle? La règle c'est son allié, donc féminin et singulier. Ça y est, j'ai pigé. Rappée qui, rappée quoi? L'accord est ok si et seulement s'il y a un CD avant le PP. Dans une ville appelée Jonquière, j'ai enfin trouvé le truc, le machin, la manière de mémoriser la pire des règles de grammaire, les participes passés, passés. Il me reste plus qu'à l'appliquer. Rapper avec A ou rapper avec E. Qu'est-ce qui est passé ou qui est-ce qui est passé? Rapper qui, rapper quoi? Rapper avec A ou rapper avec E. Qu'est-ce qui est passé ou qui est-ce qui est passé? Rapper qui, rapper quoi? Rapper avec A ou rapper avec E. Il me reste plus qu'à l'appliquer. C'est pas si compliqué les participes passés. Dans une ville appelée Jonquière, j'ai longtemps cherché le truc, le machin, la manière de mémoriser la pire des règles de grammaire, les participes passés, passés, passés. Je dois d'abord me demander finitif ou participe passé. Rapper avec ER ou rapper avec E pour m'aider, je remplacer mordre ou bien mordu. RE donc RU et accent aigu. Quand il est tout seul, le participe passé, il va me faire la gueule si je trouve pas son allié. Le nom ou le pronom auquel le rattacher, c'est en genre et en nombre que je devrais l'accorder. Masculin ou féminin, pluriel ou singulier, deux accords à cibler, deux accords à respecter. Dans participe passé, la question à poser c'est qu'est-ce qui est passé ou qui est-ce qui est passé. C'est participe. Qu'est-ce qui est passé ou qui est-ce qui est passé. Masculin, singulier, c'est pas si compliqué. Les participes passés, passés, passés. Quand il est avec Hyde, le participe passé, je me casse pas la tête, je sais comment l'accorder. Je me pose presque la même question, qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui sont, qu'est-ce qui